On se retrouve aujourd'hui pour le 9e et avant-dernier épisode de l'île de la dernière chance en compagnie, comme d'habitude, de la faucheuse. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, il sera bien entendu dans le petit i. Et la faucheuse est actuellement en train de discuter avec Amy et la petite Amalia. Et je suis vraiment choquée, outrée et décontenancée car... Oh non, la tombe de Fred, elle avait disparu, mais elle est revenue. Oh là 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 là, je suis soulagée. Je suis rentrée en mode construction pour mettre la petite tombe de Louise et celle de Yann qui était mal mise. Et je voyais plus la tombe de Fred, j'étais vraiment décontenancée et même choquée. Donc, ouf, c'est bon, soulagée. Du coup, nous voici, nous voilà avec nos petits aventuriers. Comme d'habitude, on a droit à beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs, etc. Et voici donc notre nouvel aventurier, Julian, qui prend tout doucement ses marques par ici. Va-t-il lier des amitiés? Va-t-il lier un petit peu plus que ça avec nos aventuriers? Eh bien, on va le découvrir au fil de l'épisode. Il n'y a que Amy et Julian qui ont l'air d'aller plutôt bien. Amy discute tranquillement avec la faucheuse. Elle commence même à être connaissance, en fait. Amy discute toujours avec la faucheuse et Julian est venu les rejoindre. Apparemment, il a envie de faire connaissance avec Amy et avec la faucheuse. Est-ce qu'il n'essayerait pas de les mettre toutes les deux dans sa poche pour... Oula, mais tu l'as regardé d'une façon un peu trop insistante, la faucheuse. Du coup, est-ce qu'il n'essayerait pas de se les mettre dans la poche pour ne pas être le prochain sur la liste à trépasser? Ça, c'est largement possible. La petite Amalia, là-bas, j'ai vu qu'elle avait envie de faire pipi. Ben, va faire pipi si t'en as envie. Et Eos, il fait quoi? Tu désertes, c'est ça? C'est ça, t'en peux plus, t'en as marre? Tu es vraiment trop débité, c'est pour ça? Je sais pas, mais ne t'éloigne pas trop, sinon je vais avoir du mal à te retrouver. Il est triste parce qu'il est en présence de la mort, mais en même temps, il est un petit peu optimiste, mais ça a disparu. Donc voilà, il est plus si optimiste que ça. Bah oui, mon petit pote, c'est la mort, ça s'appelle comme ça. Les filles sont en train de discuter plutôt agréablement, on voit une petite conversation agréable. Elles ont même obtenu un sentiment l'une envers l'autre, conseils amicaux, sentiments motivants et amitié pendant un deuil, sentiments en adoration, c'est plutôt mignon. Et je remarque que la faucheuse est toujours là et qu'elle est totalement en train de pêcher. Non mais ça va pas ou quoi? Elle est en train de pêcher avec Julian et j'ai l'impression même qu'elle discute. Julian a d'ailleurs attrapé un nouveau poisson. Alors tu fais quoi? Tu lui lances la canne à pêche dessus? C'est pas très sympa ça. Tu as envie de le faire trépasser avant l'heure? Bon, je ne sais pas. Amy est partie faire un petit dodo sur la serviette. Eos est en train de dormir tout court. Et Amalia, tu fais quoi? Tu restes devant le buisson qui schmout. Eh bien écoute, si ça peut te permettre de te sentir mieux, bah tant mieux parce que tu as l'air de te sentir mieux pour le coup. Et c'est de plus en plus bizarre puisque... il est en adoration devant la faucheuse. D'accord, faucheuse, c'est clairement ce qu'elle fait. Julian respecte beaucoup cela. Il avait il y a un instant un petit cœur au-dessus de sa tête. J'espère que tu ne vas pas aller plus loin avec la faucheuse dans ce sens. Mais la faucheuse, ce soir, je sais pas ce qu'elle a. Elle est d'humeur à aller parler à tout le monde. Regardez ça. D'un coup, elle va parler à notre petite Amalia. Est-ce que tu n'es pas en train de sonder un petit peu tout le monde? Parce que c'est bientôt le dernier épisode et que tu vas devoir récolter trois âmes en une seule vidéo. Hein, c'est pour ça? Je sais pas. En tout cas, elle a pas beaucoup parlé à Amy, beaucoup parlé à Amalia, beaucoup parlé à Julian, mais pas du tout à Eos. Est-ce que ça voudrait pas être un signe, ça, et se dire que bah, c'est peut-être Eos qui va finir par gagner et du coup, bah, elle lui parle pas du tout parce qu'elle sait qu'elle va pas récolter son âme? Oh, j'en sais rien, mais regardez ça. La petite Amalia, elle avait encore une petite bulle au-dessus de sa tête avec la tête de la faucheuse. Oh là, il y a eu un petit mois, là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais vaut mieux pas se fâcher avec la faucheuse, ma petite. Mais qu'est-ce qui se passe par ici? Tout le monde veut sympathiser avec la faucheuse. J'allais vous signifier qu'il y avait des petites disputes vers là-bas et apparemment Julian n'aime pas les conflits. Eh bien écoutez, on va dire oui pour lui, le pauvre. Alors, je ne sais pas pourquoi ils se disputent à ce propos-là, mais j'ai pas de mal à m'imaginer. C'est parce que échec d'histoire d'amour avec une sim froide, je pense que lui, il a dû essayer de draguer Amy, puisque, déjà, ça le tue l'amour, ok. Et minute papillon, échec d'une histoire d'amour avec une sim froide. Bon, ben, je pense, ou alors c'est lui qui est froid et elle a essayé de le draguer. Enfin, bref, je sais pas trop. Je sais pas. Eh bien, décidément, aujourd'hui, c'est le jour des bulles qui apparaissent. Amalia a un comportement inhabituel ces derniers temps, elle est effrayée, un peu paranoïaque. Accepter le changement, je suis obligée de dire oui, donc oui, voilà. Il y avait un fantôme, ah voilà, qui est venu nous rejoindre, c'est donc Bakari, et il pleut des cordes, il y a de l'orage, c'est vraiment affreux. Quelle température effrayante. Oh, il y a Bakari, il y a qui d'autre? Toi, je t'avais pas vu, c'est Lee.
C'est toi ? Ah oui, c'est bon, c'est lui. N'importe quoi. Et bah, il y a le petit Julian. Je ne sais pas ce qu'il fait, il reste planté là. Bah écoute, pourquoi pas. Mais je sais pas si vous êtes au courant, mais il pleut et vous avez un abri quand même. Donc il serait peut-être un peu judicieux de s'abriter, non ? Pendant qu'Emmy est en train de dormir, Eos et Amalia sont en train de se draguer. Souvenez-vous, à l'épisode dernier, ils s'étaient déjà pas mal rapprochés. Il y a vraiment des atomes crochus entre ces deux petits Sims là. Et il y a pas mal de roses, pas mal de verts. Ils s'entendent vraiment très très bien. Et bah Amy, je ne sais pas si elle fait la sourde oreille ou si juste elle voit pas ce qui se passe, mais en tout cas elle voit pas ce qui se passe, je pense. Enfin, hier elle avait une pointe de jalousie, enfin je dis hier parce que moi j'ai tourné l'épisode précédent hier, mais du coup il me semble qu'elle avait une pointe de jalousie quand même la dernière fois. Enfin bref, pour l'instant elle dort et ça la dérange pas. Amy est en train enfin de se réveiller et Eos est en train totalement de draguer Amalia, mais Amy ne se lève pas pour autant. Est-ce qu'elle va se laisser faire? En tout cas elle a joué au ping-pong avec Amalia, donc je sais pas, peut-être que c'est fini entre Amy et Eos, je n'en sais rien du tout, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas elle va jouer au ping-pong avec Amalia. C'est peut-être parce qu'elle a pas de rancune ou de rancœur envers elle. Sinon il y aurait eu quelque chose. Ah si, pointe de jalousie, ça vient tout juste d'arriver. Et il y a également Amertume Tenace, c'est vraiment blessé. Apparemment elle se sent blessée par rapport à Eos et non par rapport à Amalia. Ah bah si, elle s'est barrée. Ok, est-ce qu'elle va engueuler Eos? Quoi, Eos? Mais ça va pas ou quoi? Mais il lui les faut tout ou quoi? Mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'il me fait lui? Il était avec la petite Amalia et là d'un coup il va faire un bisou à Amy. Ma foi, peut-être qu'il lui a fait un bisou du style « Non mais t'inquiète pas, c'est rien du tout, j'ai trouvé cette fleur par terre, mais c'est toi que j'aime. » Est-ce qu'il essaierait pas de jouer sur les deux tableaux celui-là, hein? Il est 15h17, j'ai failli, mais alors vraiment failli être à l'heure. Mais à cause d'Eos, je ne suis pas à l'heure. Donc merci beaucoup Eos, parce que j'ai pas réussi à te téléporter tout de suite. Donc nos quatre petits Sims vont s'affronter à une épreuve qu'ils ont quelque peu déjà connue pour certains, puisqu'il s'agit de l'épreuve du... Ta-ta-ta-ta, labyrinthe. Mais celui-ci, cette fois, va être aquatique. Il va falloir nager pour pouvoir trouver son chemin et arriver à l'ultime Graal. Vous commencez à me connaître un petit peu. Et si vous avez vu l'épisode du labyrinthe où il fallait marcher, vous savez qu'à la fin, eh ben, le Graal, c'est ces ordinateurs portables auxquels très très peu de Sims peuvent résister. Du coup, ils vont devoir plonger pour pouvoir essayer d'atteindre un de ces ordinateurs. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas du tout fait de clôture autour d'eux, que du coup s'ils veulent se barrer ailleurs que vers les ordi, ils peuvent totalement. Non mais ça va pas du tout Morgane, hein. Voilà qui est beaucoup mieux. Ils sont maintenant encerclés de clôture. Je vais tous les réinitialiser et ensuite je vais appuyer sur play pour voir qui fait quoi, s'ils discutent, s'ils ne discutent pas, s'ils vont en direction de leur objectif. Et c'est parti. Alors le premier à atteindre aura gagné, le dernier aura perdu. Vous commencez à avoir un petit peu l'habitude avec moi. Je vais me mettre en caméra comme ceci pour que l'on puisse un petit peu regarder en vue du dessus. Le labyrinthe en soi il est pas hyper compliqué, cette fois-ci c'est moi qui l'ai fait, mais juste il faut y aller quoi. Oh, Eos, ah non, je sais pas ce qu'il fait, il est en train de discuter. Vous ne voulez pas aller vers ces magnifiques ordinateurs que voilà? Vous préférez rester ici mes petits potes? C'est un petit peu étrange toute cette affaire, normalement ça vous attire toujours les ordinateurs. Est-ce que vous croyez que c'est parce qu'ils ne peuvent pas sauter de là? Je sais pas. Est-ce qu'il faut qu'on leur mette une échelle? Peut-être qu'il faut qu'on leur mette une échelle, attendez. Je vais faire ça tout de suite. Ok, donc ce que je vais faire c'est aller ici dans un premier temps. Oui je sais c'est pas les échelles, mais au moins je vais pouvoir sélectionner le pack touk 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 île paradisiaque. Et ensuite je vais faire comme ça, je vais faire afficher tout. Et là on va pouvoir venir chercher une petite échelle. Je pense que peut-être que c'est ça qui leur manque pour pouvoir aller se balader. Non c'est pas ça, ils veulent pas. Pourquoi je peux pas la mettre? Elle peut pas croiser les fondations. Voilà, comme ça c'est bon. Allez, on va voir si ils peuvent interagir ou pas. Je vous en supplie, dites-moi que oui, ou alors j'ai encore foiré mon épreuve, mais c'est pas possible ça, je fais n'importe quoi. Et effectivement, Eos a l'air de vouloir descendre par l'échelle. Oh, Eos, tu vas être le premier à rejoindre le rivage. C'est incroyable, c'est incroyable. Amy le suit de près. Oh là là, les amoureux vont encore et toujours être ensemble. Alors, il faut faire attention, puisque après ça se resserre, il va pas y avoir de la place pour deux. Non, 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 non. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu ne peux pas passer par là, Eos. Pourquoi il y a ça? Mais pourquoi? Mais pourquoi? A few inches later. Allez, s'il vous plaît, prenez l'échelle et descendez. Mais oui, regardez, sautez, descendez, saut de l'an... Oh, 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 oui! Amalia!
Ma petite Amalia, où tu vas? Oh là là, attendez, attendez. Oh, c'est Amalia qui va gagner. Oh là là, elle trouve le bon chemin. Vas-y, vas-y. Allez, les autres, suivez son exemple, je sais pas. Oh putain, mais quoi? Mais comment ça se fait qu'elle passe dessous? Il y a eu un bug, non? Je crois qu'il y a eu un bug. Vas-y, Amalia. Amy aussi! Amy, elle est en train de descendre. Oh, ouais, trop cool! Allez, Amalia! Oui, trop bien, je suis contente. Oh, non, Eos, pourquoi tu descends pas? Tu vas perdre. Oh non, mais Eos, pourquoi tu viens pas? Regarde, Amy. Ah, on dirait que ils se sont arrêtés. Et Amy et Julian, non? Oh, Amy, tu veux parler à Eos, mais Eos, il est pas du tout en train d'arriver. Mais regardez ce qu'il est en train de se passer. Amy s'est arrêtée, elle a pas franchi les escaliers. Elle est en train d'attendre Eos, vous croyez? Mais Julian, il va lui barrer le passage. Et oui, il peut pas passer. Oh, mais c'est quoi cette épreuve? Mais Julian, tu fais quoi? Tu bloques le passage à Eos. Et Amy, du coup, elle a pas franchi la plateforme. Oh, elle est pas considérée encore. Oula, Julian a la tête d'Amalia dans une bulle. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous bloqués. Mais faites quelque chose, je vous en supplie. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui perde au bout d'un moment, non? Mais il m'arrive toujours des choses, moi. Et ben oui, il peut pas bouger parce que du coup, y a Amy qui le gêne. Ah, ça y est, Amy a décidé de bouger. Quoi? Il s'est passé quoi? Non. Non. Quoi? Quoi? Il est pas en train de mourir, hein? Il est en train de mourir. Il est en train de mourir. Non. Cette action est impossible lorsqu'un sim est en train de mourir? Mais non, mais comment ça se fait qu'il meurt? Mais pourquoi? Mais quoi? Non, mais non, mais non. Oh non, j'hallucine. Attendez, mais c'est pas possible. Je peux même pas sauvegarder ni rien. Oh non, Eos, t'es en train de mourir. Oh, mais comment ça se fait? Je peux rien y faire, mais regardez ça, c'est horrible. Oh non, mais vous savez que... Quoi? Ah, mais direct. Ah d'accord. J'allais dire, mais vous savez que c'est à cause de celui-là, là, de Julian, que... Oh non, mais Eos, il est mort. Mais quoi? Mais du coup, cette épreuve, elle est caduque ou c'est comment? Je sais pas quoi faire. Oh, mais elle est passée où, ça tombe? Mais attendez, mais... Je comprends pas, j'ai perdu la tombe d'Eos maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que cet épisode? Non, c'est pas possible. Il est pas parti dans l'inventaire de quelqu'un? Oh, mais j'ai perdu Eos maintenant. Oh non, mais c'est pas possible, Eos, il est mort. Mais on dirait que personne s'en est rendu compte à part Julian, du coup. Mais elle est où, sa tombe? Mais Julian, il est en train de rigoler, il est très joueur et il est malade. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais attendez, mais c'est pas possible. Et j'ai du coup la tombe de Eos qui a disparu. Et celle de Fred, elle disparaît, elle réapparaît parfois. Oh, mais je suis choquée. La mort est inéluctable. Julian le sait. Julian ne pensait juste pas qu'il y penserait aussitôt. Il y a encore tant de choses à faire. Mais j'hallucine. Mais comment je fais, du coup? Parce que ça y est, on a eu notre mort. Mais l'épisode, il va être hyper court, du coup. Bah, je suis vraiment désolée, mais c'est comme ça. C'est le jeu et je m'y attendais vraiment pas. Mais la mort est venue attraper le petit Eos et ça va être lui, notre mort du jour. Oh, oh là là, mais j'en reviens pas. Mais là, je suis plus que choquée. Je suis décontenancée. Je suis tout ce que vous voulez. J'aurais jamais pu penser qu'il allait mourir de noyade. Et Julian, quand elle lui, il est pas mort de noyade parce que il allait dans l'eau après Julian ou pas? Eos, oui, il y allait en dernier. Et du coup, bah, le fait qu'il lui bloque le passage, il est resté là sur place et ça l'a fait se noyer. Oh, en plus de ça, il avait froid et tout. Oh non, mais je suis tellement dégoûtée. Je suis d'autant plus dégoûtée que la tombe d'Eos a disparu. Je l'ai vue entre les mains, je l'ai posée avec les autres tombes. Et pourquoi tu ne supprimes pas, toi? Et pourquoi elle a disparu d'un coup comme ça? Pourquoi il y a des bugs avec ces tombes-là? Oh là là, mais j'hallucine. Du coup, Eos, ça va être notre mort du jour. Et on n'aurait pas eu nos trois épreuves. Un semblant d'épreuve, voilà, que Amalia a gagné haut la main. Amy est arrivée en second. Et du coup, bah voilà, bah, Eos, il est mort sur place. Mais vous voyez, il manque... Mais voilà, elle est apparue, cette tombe-là. Mais elle est où, la tombe de Eos? Mais c'est pas possible, là. Fred Rousseau, mais Eos, elle est où, ta tombe? Elle s'est pas cachée là-dessous? Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je... Waouh! Oh, ça fait vraiment un choc. Enfin, je...
Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis vraiment ultra choquée. Et en plus de ça, on n'a pas sa tombe. Et écoutez, c'est génial, c'est super. Je sais pas quoi vous dire d'autre à part que, voilà, Amy, je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais du coup, il est mort et os. Ah oui, c'est bon, elle s'en est rendu compte. Et il y a même écrit « Père, un être cher ». Il était vraiment cher pour elle. Voir quelqu'un nous quitter est très difficile. Amy peut trouver un peu de réconfort en pleurant la personne disparue devant sa tombe ou son urne. Mais même pas, tu peux même pas, je suis désolée. J'ai perdu sa tombe et son urne, tout ce que tu veux. J'ai perdu Eos, voilà. Je suis dégoûtée. Amalia, elle a l'air plutôt bien, même si elle avait fait un peu de drague. Bon, perd un ami, bon, ok. Mais elle est malade et elle a froid. Mais attendez, mais je sais pas, mais faites quelque chose. Je suis désolée, mais tout le monde va mourir. Donc au bout d'un moment, je vais être obligée de lui faire changer sa tenue. Mets ta tenue de temps froid. Tout le monde doit mettre sa tenue de temps froid et sortir de l'eau parce que vous allez finir tous par mourir et ça, c'est inacceptable. Pouah. Mais est-ce que je la retrouverai un jour? Oh oui! Elle est revenue, l'urne d'Eos, Eos Exberg, oh là là, j'étais vraiment peinée de mal voir sa tombe, oh, c'est bon, elle est revenue, bon mais du coup vous allez pouvoir aller pleurer sur sa tombe, surtout toi Amy, et Amalia t'avais essayé de le draguer, donc peut-être que tu tenais un petit peu à lui, je sais pas, bon mais en tout cas on va du coup quand même aller au niveau de la galerie pour prendre un nouvel aventurier, hein. Et cette fois-ci, nous allons du coup prendre une femme. Il n'en reste plus beaucoup, alors. Celle d'Ina, où on l'a pris, celle de Maïnessa, celle de Patisha, celle de Pompon, tiens, celle de Pompon, on l'a pas prise. Donc, allez, c'est parti. Alexandra, oh oui, mais il y a aussi celle-là, Liloussim. Oh, et il y a aussi celle-là aussi. Oh, mais je croyais qu'on en avait plus beaucoup. Oh, il y a celle de Ralou aussi, juste là. Oh, et il en a fait deux en plus. Ah ouais, mais Ralou, toi, t'as fait trois sims. Waouh. Oh, mais attendez, mais je sais plus entre qui et qui me décider, moi. Attendez, est-ce que c'est bizarre si je fais la ploume? Sérieux, donc il y a elle, elle, elle et elle. Ok, je vais faire la ploume. Ploum, ploum, ça sera toi qui viendra... Oh non, mais attendez, il faut que je recommence, il y a celle-là aussi. Ça sera toi qui viendras avec nous sur l'île de la dernière chance en bouche de toi. 1, 2, 3... Oui, j'ai vraiment fait une ploum-ploum et c'est Missy P.K. Qui va venir avec nous. Missy P.K., c'est quoi ton... Ah non, d'accord. Alicia ira loin. Alicia ira loin. Alicia ira loin. Ah, ira loin. Ouais, bon, j'espère que tu iras loin. Amatrice de plein air, adore la nature, pitre et fidèle. Ok, dernière chance Morgane. Bah, c'est parti. Du coup, c'est donc Alicia qui nous rejoint. Oh, mais par contre, je suis choquée. J'ai vu Eos, il est dans la galerie, il est juste au d'elle en plus et je suis dégoûtée qu'il soit mort, mais dans tous les cas il y a quelqu'un qui doit mourir, mais il est mort beaucoup trop tôt, ok. Et donc du coup salut Alicia, ira loin, j'espère que tu vas bien et que t'iras loin. De toute façon il ne reste que un épisode, c'est celui de demain, donc tu seras la dernière aventurière à être sélectionnée et du coup on va regarder vite fait tes petites tenues. Voici donc pour sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et pour terminer sa tenue temps froid. Eh bien écoute, bienvenue à toi. Tu sais que la prochaine fois que je tourne une vidéo, c'est la dernière de l'île, de la dernière chose. Donc t'as intérêt à tout donner si vraiment t'as envie d'aller loin. Il faut tout donner ma petite. Mais du coup voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. Il n'aura pas eu les trois épreuves. Oh là là, et oh, s'il est mort au bout de la première. Je suis encore choquée, décontenancée, outrée, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me faire tous vos retours en commentaire. En attendant, du coup, on va se laisser là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fera vraiment super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous.